Vu qu'entre les parenthèses, il y a un point de multiplication, et à l'intérieur de chacune des parenthèses, on voit au moins un signe plus ou au moins un signe moins, on va appliquer la double distributivité. Double distributivité qui est une conséquence immédiate de la simple distributivité. Donc ici, nous calculons d'abord ce produit-là et nous veillons bien au signe. Plus fois plus, ça donne plus, d'où ce premier terme. Ensuite, nous calculons ce produit-là. Plus fois plus, ça donne de nouveau plus. Ensuite, nous calculons ce produit-là. Plus fois plus, c'est plus. Et encore le dernier produit, également plus fois plus, c'est-à-dire plus. Pour calculer les produits dans chacun de ces termes, nous allons appliquer cette formule-là qui dit que, dans ce cas-là, il faut additionner les exposants. Le premier terme donne donc 3 fois x au carré fois x exposant 4, ça donne x exposant 6. Donc ce premier terme, c'est 3 fois x exposant 6. Le deuxième terme, 3 fois 2, c'est 6, fois x au carré fois y. Ici, nous n'avons pas besoin de cette formule-là, ce terme est immédiat. Là non plus, on a x exposant 4 fois y au cube et fini. Dans le dernier terme, nous allons de nouveau appliquer cette formule-là qui dit que y au cube fois y exposant 1, ça donne y exposant 3 plus 1, c'est-à-dire 4. Fois ce 2, ça donne 2 fois y exposant 4. Et voilà, l'exercice est terminé.